certains secrets de famille traversent les générations, d'autres les frontières. Celui de Mireille Orsinga-Reynaud est, lui, resté bien gardé. Jusqu'au jour où cette Alsacienne de 64 ans, mariée et mère d'un garçon, a décidé d'entreprendre des recherches généalogiques. Alors un jour, j'ai découvert dans ma famille un secret qui m'a menée vers l'horreur absolue et qui a complètement changé ma vie et ma vision des humains. Il y a des gens qui ont une maladie qu'ils traînent toute leur vie, mais moi je traînerai ça toute ma vie. Une maladie incurable. Parce que les blessures à l'âme ne guérissent pas. Mireille est née à Strasbourg en 1947, 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle grandit dans une famille sans histoire, entourée de ses parents et de sa petite sœur. Dès son plus jeune âge, Mireille, qui est très proche de son père, s'intéresse déjà à l'histoire de sa famille. En 1972, Bernard et moi, nous avons eu notre fils Philippe. Et à ce moment-là, je me suis rendue à l'évidence que le nom de Reynaud allait disparaître. Puisque mon papa, fils unique, je n'ai qu'une sœur, nous sommes toutes les deux mariées, donc nous portons le nom de nos maris respectifs. Les recherches sont devenues pour moi une évidence encore plus marquée en 76, après le décès de mon père. C'était le dernier Reynaud de la branche alsacienne qui disparaissait. Et donc ça devenait vraiment quelque chose d'important pour moi, rien que pour sa mémoire aussi. Lorsque j'ai commencé ces recherches, j'avais 25-26 ans et j'avais trouvé un livre qui m'expliquait la façon de m'y prendre pour faire des recherches, à qui faut-il écrire, comment faut-il écrire, etc. Et dans ce livre, j'avais trouvé une phrase qui m'avait paru un peu bizarre, qui m'a fait sourire. Attendez-vous à avoir des surprises, bonnes ou mauvaises, lorsque vous ferez des recherches généalogiques. Alors ça m'a fait sourire, j'ai montré à mon mari et j'ai dit, si on avait un prix Nobel dans la famille, il y a longtemps qu'on le saurait. Et puis, des assassins, on n'en a jamais non plus eu. Il n'y a pas de cadavre dans le placard. Donc, je me suis lancée là-dedans sans arrière-pensée. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille de Mireille Orsinga-Reynaud est séparée en deux branches. La partie française ayant disparu, Mireille entame donc ses recherches généalogiques de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. Pour ce faire, elle s'adresse à son seul cousin connu, un dénommé Albert Kahm. C'était son correspondant, le cousin Kahm, quand elle était plus jeune, pour mieux apprendre la langue allemande. Donc elle avait déjà correspondu avec lui. Et puis elle m'a dit, tiens, comme il fait partie de la famille, je vais lui envoyer une lettre pour savoir si lui a plus d'informations concernant la famille Reynaud. 2-3 jours après, il m'a envoyé une lettre en me disant que lui-même ne possédait rien, mais qu'un oncle, un de tes oncles, il m'a dit, pourrait peut-être te renseigner. Il habite dans le Palatinat, il est médecin, et c'est là qu'il me donne l'adresse du docteur Georg Reynaud à Bockenheim, dans le Palatinat. Et donc elle a écrit à cette adresse, à ce monsieur, en lui disant, cher monsieur, voilà, je m'appelle Mireille Reynaud, je fais des recherches généalogiques, j'ai eu votre adresse par monsieur Kahm, qui est un cousin de mon papa, et je vous remercie de me donner des informations, si vous pouviez me renseigner sur l'origine de mon nom de famille, Reynaud.
dans l'attente de la réponse de ce monsieur, elle était un peu curieuse de savoir est-ce qu'il va répondre, est-ce que c'est effectivement un membre de notre famille, parce qu'on ne savait pas exactement où il se situait par rapport à elle. Il m'a téléphoné et il m'a dit « Je suis le docteur Hainaut, je viens d'avoir votre lettre ». Et d'emblée, il m'a dit « On va déjà, dans un premier temps, on ne va pas se vouvoyer, on va se tutoyer et tu m'appelleras oncle Georg, je suis ton oncle Georg ». Alors j'étais vraiment… j'étais heureuse comme tout. Je me suis dit « En plus, non seulement il va m'aider, mais en plus, il m'accueille à bras ouverts ». Disons que oncle Georges est oui, rapidement rentré dans la famille, puisque très rapidement, bien que nous ne l'ayons pas encore vu, on avait ses nouvelles par téléphone et régulièrement, donc, que ce soit pour mon anniversaire ou à Noël ou pour Pâques, il m'a envoyé une petite carte avec à l'époque un billet de 10 ou 20 Deutschmark. Et donc il n'oubliait jamais. Donc voilà, donc je pense que c'était pas quelqu'un qui cherchait absolument à plaire, quoi. Mais il y avait une sincérité dans sa démarche. Et un jour, il me dit cette phrase qui me va droit au cœur. Il me dit, en allemand, ça se dit Bernard, Philipp und du, ihr sind uns ins Herz gewachsen. Ça veut dire, vous avez pris racine dans notre cœur, à tante Hélène et à lui. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même une preuve d'une affection. Et je dois dire que la réciproque était vraie. Nous aussi, on l'avait accepté comme un membre à part entière de la famille, comme si on l'avait toujours connu. Environ un an après des échanges épistolaires et des échanges téléphoniques, ces deux correspondances se sont décidées à se voir. Je pense que Mireille avait invité l'oncle Georg à venir ici à Strasbourg, mais apparemment, il n'avait pas la possibilité de venir. Donc, il a été décidé que nous irions rendre visite à cet oncle. En juillet 1981, Mireille, Bernard et son fils Philippe partent donc à la rencontre de l'oncle Georg et de son épouse Hélène. Le couple réside en Allemagne, à environ 1h30 de voiture de Strasbourg, dans le village de Bockenheim. Nous sommes arrivés peu avant midi à Bockenheim. Alors, arrivés en grande pompe, quoi. Tout le monde, on avait un comité d'accueil. Le tonton dehors, la tata sur le pas de la porte. On sentait vraiment que... on était déjà faisant partie de la famille, bien qu'on ne l'avait jamais vu auparavant. Donc cet homme a accueilli Mireille, l'a embrassée, lui dit « Voilà, maintenant tu m'appelles oncle Georg et je suis ton oncle. » Et moi aussi, il m'a bien accueilli. Et puis on dit « Ah bah, je suis content de faire la connaissance de ton mari. » voilà, de même que notre fils, donc il était très heureux de nous voir. C'était vraiment un accueil familial. Par contre, la première vision de cet homme, j'étais un peu déçue parce qu'il n'avait rien de commun avec mon père. Il était grand, très très grand, et il avait des cheveux gris. Et très, très bouclé comme ça, avec des bagues. Alors que mon père avait des cheveux raides comme des baguettes de tambour. Donc, physiquement, il n'avait rien de commun avec papa. Mais je me dis, bon, c'est un détail, le physique ne compte pas. Ils étaient tellement heureux et tellement généreux et chaleureux que c'est très vite passé en second plan. Et donc, nous sommes passés à table et... Tante Hélène, elle s'était donné beaucoup de mal. Elle nous avait d'abord servi en entrée
une tranche de rôti de veau, de porc, je crois, avec de l'ananas gratiné avec un fromage hollandais. Et puis après, il y avait du chou rouge et puis de la glace, enfin, du vin. Vraiment, elle s'était donné beaucoup de mal aussi dans la façon de présenter. Elle avait décoré la table et une belle nappe. Vraiment, c'était un jour de fête pour eux. Et on était arrivés vraiment comme si on avait été des enfants qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça m'avait beaucoup touchée. Ce qui me frappe, c'est sa bibliothèque et son bureau. Il avait un bureau qui est à l'étage, mansardé, avec une bibliothèque très très fournie, avec beaucoup d'ouvrages scientifiques, de la médecine, de la littérature. C'est également un mélomane, donc il y a des tableaux de musiciens. Je me souviens, il y a un tableau de Bach dans le salon, et il y a sa collection de flûtes. C'est des choses qui me restent. Donner une impression de sérénité, de très très grande sérénité. Et en discutant avec lui, oui, on peut dire que tous les deux, Mireille et moi, on pensait que c'était un humaniste et qu'il avait une vision du monde qui était très saine et très claire pour lui. Il y avait beaucoup d'éléments de ses visions que je trouvais que j'aurais pu m'approprier. Je me souviens qu'en partant de ce week-end, sa femme et puis la mère de celle-ci avaient carrément la larme à l'œil en partant. Et même lui, on sentait que ça lui faisait plaisir de nous avoir connus et puis regretter que ce week-end était déjà passé et de nous voir partir. J'ai dit à Bernard sur le chemin du retour, s'il y a un exemple à suivre pour bien vieillir, c'est bien l'exemple de l'oncle Georg. J'étais partie à la recherche d'une nouvelle famille, enfin de la racine. Même si je ne devais pas pouvoir progresser dans ma recherche, rien que le fait d'avoir rencontré cet oncle-là me suffisait presque déjà. J'avais de nouveau quelqu'un de la famille de mon papa et je ne pensais pas qu'un jour il pourrait arriver quelque chose qui puisse ternir cette admiration que j'ai pour cet homme. Pour Mireille, la rencontre avec l'oncle Georg est une véritable renaissance. L'homme est cultivé, intelligent, brillant et même mélomane. Pourtant, Mireille va découvrir un terrible secret de famille. Un secret qui, pendant près d'un demi-siècle, n'a jamais traversé la frontière. Un secret qui va bouleverser sa vie à tout jamais. Ainsi, donc, nous retournons à plusieurs reprises à Bockenheim. Et c'est toujours. Il se passe toujours le même accueil. Tante Hélène qui se donne beaucoup de mal et tout. Et un soir, après dîner, Tante Hélène prend sa mère par le bras pour l'aider à se coucher. Et elle ne réapparaît plus. Elle nous dit bonne nuit, elle s'en va. Philippe va se coucher aussi, et parce qu'il se faisait tard. Et nous, Bernard, l'oncle Georg et moi, nous sommes seuls autour de la table à prendre un café. Il y a des sujets qu'on ne souhaitait pas aborder avec lui. Notamment, on n'a jamais abordé, nous, le sujet de la guerre. Pour la raison suivante, c'est que nous sommes nés tous les deux après la guerre. Donc, on ne pouvait pas en parler, alors que lui... Je pense qu'il avait dû la faire, la guerre. Hein. À l'époque, on ne savait pas trop sous quelle forme. Or, étant allemand, il a obligatoirement dû la faire du côté allemand. Mais c'est lui qui m'a poussé à aller sur ce terrain-là, parce qu'il m'a dit « Ton papa, qu'a-t-il fait pendant la guerre ?» Alors, je lui ai répondu que mon papa a été, comme tous les Alsaciens et Mosellans, a été incorporé de force lorsque l'Alsace a été annexée. Il a été incorporé de force dans l'armée allemande et qu'il a dû aller au front russe se battre en uniforme allemand
et qu'il avait été blessé par un éclat d'obus et qu'il en avait gardé des séquelles toute sa vie. Et sans préambule, il me dit une phrase que j'ai trouvée un peu, beaucoup même, déplacée. Il me dit « Il faut que je vous dise une chose. Savez-vous que les chambres à gaz n'ont jamais existé ?» Mireille et moi, on s'est regardés et on est resté un peu bouche bée. Il dit « Ah bon, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Eh bien, c'est de la propagande américaine. Alors, je lui réponds « Mais attends, je suis désolée de te contredire, mais moi, j'ai vu une chambre à gaz au Struthof, au camp de concentration. Le seul qui se trouve sur le territoire alsacien, c'est à 30 km de chez moi. Je l'ai visité plus d'une fois et j'ai vu qu'il y avait une chambre à gaz. » Alors, il a dit « C'est faux, c'est les Américains qui ont construit les chambres à gaz après. » pour faire de la propagande anti-allemand. Alors ça devenait de plus en plus bizarre, ces remarques. Et j'ai dit, mais non, tu n'as pas le droit de dire ça. En plus, c'est du négationnisme, c'est même... si on te chope dehors à dire ça, tu es puni. Après ces 10 ans de relations affectueuses et amicales, je commence à avoir des doutes. Alors, est-ce que l'oncle Georg est un négationniste, un révisionniste? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il a perdu la boule parce qu'il se fait vieux? Ou est-ce qu'il veut excuser l'Allemagne entière pour donner une bonne image qu'on va nous emporter en France? Je ne comprenais pas. Et donc, il y a quelque part au fond de ma tête un point d'interrogation qui s'installe. Pourquoi a-t-il dit ça? On s'est dit, est-ce qu'il aurait pu être un membre actif du nazisme? Personnellement, j'y croyais pas trop. Et Mireille, elle s'est dit que peut-être quand même, il pouvait y avoir un problème avec cet homme-là. Mireille n'en revient pas. Georg nie l'existence des chambres à gaz. Les années passent et le sujet ne réapparaît pas dans leur conversation. Pourtant, Mireille ne l'oubliera jamais. La vie reprend son cours. Les relations avec l'oncle Georg se poursuivent, mais pour Mireille, rien ne sera plus jamais comme avant. Après cela, lorsque je reçois du courrier, je lui réponds toujours poliment, toujours simplement, j'évite, et je pense que lui aussi, de rentrer sur ce terrain. On n'a plus jamais abordé le sujet de la guerre. J'ai l'angoisse de découvrir quelque chose. Et si je découvre quelque chose, tout va s'écrouler. 4 ans plus tard, cette remarque de l'oncle Georg était toujours restée quand même dans le cerveau de Mireille. Quelque part, ça l'a titillée. Et j'avais depuis longtemps l'habitude d'aller à la bibliothèque dans le village à côté, pour prendre des livres. Et c'était en 1993. Et je tombe sur un livre qui s'appelle « Les chambres à gaz, secrets d'État », écrit par 2 Allemands et 1 Autrichien. Et je trouve ça me saute à la figure. Je n'étais pas allée pour chercher ça spécialement. Ça me saute à la figure. Je lis un peu le résumé et je me dis, voilà, ça c'est un livre que je vais lire, ça m'intéresse. Après ce que j'ai entendu chez l'oncle Georg, j'aimerais bien savoir ce que pensent des Allemands, des historiens, puisque ce sont des historiens, ce qu'on pense en Allemagne des chambres à gaz.
C'est un matin de semaine, je me lève, je vais dans la cuisine prendre mon petit déjeuner. J'y trouve maman qui était encore attablée avec un bouquin. Et avant même de me dire bonjour ou quoi que ce soit, elle me tend ce livre et me dit « Lis ça ». Et je me rends compte que c'est la description d'un homme, un officier SS, qui fait le tri sur un quai de gare entre des prisonniers qui sont aptes à travailler et des prisonniers qui ne sont pas aptes à être travaillés, et que ces derniers seront tués, gazés et brûlés. Donc, bon, quand on se lève le matin, c'est un peu abrupt comme lecture. Alors je lui demande, je dis, attends, je dois lire ça maintenant. Elle insiste. Et là, je sens effectivement qu'il y a quelque chose dans son insistance qui n'est pas normal. Alors bon, je le lis. Donc la description est très longue, c'est des choses très difficiles à lire. Et à la fin, effectivement, on apprend que l'homme qui faisait ce tri s'appelait Georg Renon. Mais malheureusement, Philippe est loin d'être au bout de ses surprises, car quelques pages plus loin, sa mère Mireille fait une découverte abominable. Je découvre quelque chose qui me donne un tel coup à l'estomac que j'ai du mal à croire. Je lis dans ce livre qu'un docteur Renon, Georg Renon, avait été responsable d'un centre de mise à mort de malades mentaux dans le programme T4 en Allemagne, du temps des nazis. Et alors, quand je vois le docteur Georg Renon, tout de suite m'est venue à l'esprit la phrase qu'il avait prononcée. Et je me pose la question, mais est-ce que c'est bien le même docteur Renon que moi que je connais? Est-ce que c'est mon oncle ou est-ce que c'est un homonyme? Ça me bouleverse, ça me secoue, On ne peut pas avoir dans notre famille un nazi qui a exterminé des personnes, c'est pas possible. Un Renault, non, ça ne peut pas exister. Au début, je suis incrédule parce que je vois mal l'oncle Georg que je connais, donc très humain, très humaniste, faire une chose pareille. Je veux dire, c'est complètement. C'est deux personnages différents, ça ne peut pas être lui, c'est pas possible. Et puis je me suis dit, c'est pas possible. Un médecin qui élimine des malades, un médecin psychiatre, neuropsychiatre, qui a fait le serment d'Hippocrate, qui élimine des... Ça me laisse dubitatif. Je me suis dit, il y a peut-être un nazi qui a fait ça, mais pas l'homme que nous avions côtoyé pendant des années et puis qui avait le visage d'un bon papy. Pour l'instant, j'ai lu ce nom, mais je n'ai pas encore la preuve que c'est l'oncle Georg. C'est un docteur Renon. Alors je continue mes recherches. Je continue de chercher des livres qui parlent de cette époque, des livres qui parlent du programme T4, de l'euthanasie. Et dans plusieurs ouvrages, je retrouve l'oncle Georg, ou plutôt le docteur Renon. Et plus ça va, plus j'ai la conviction que c'était quand même l'oncle Georg. Et pour en avoir vraiment le cœur net, un jour, je fais des photocopies d'un certain nombre de documents. Et je lui écris, en lui envoyant les photocopies, avec ma question, « Dis-moi, est-ce que c'était toi, ce docteur Renon-là ?» Et c'est là que, quelques jours après, il ne me répond pas par lettre, il me téléphone. Et déjà, au téléphone, sa voix avait changé. Il n'avait plus cette intonation sûre de lui et du patriarche qui disait quelque chose et donc c'était la vérité. Il avait la voix d'un monsieur âgé qu'on a pris en faute. J'ai presque eu pitié. Et il me répond, oui, c'était bien moi, mais tout n'est pas vrai, tout ce que tu as pu lire. Il y a des choses qui n'étaient pas aussi graves. Et puis, tu sais, de toute façon, cette histoire, c'est du passé. Il faut savoir tirer un trait
et il faut passer à autre chose. Et de nos jours, maintenant, on a d'autres soucis que de remuer ce passé-là. Alors, quand on vous sort une histoire pareille et quand on essaye de se justifier, moi, tout s'effondre. Mon grand-oncle, mon oncle, la famille Reynaud, tout se mélange dans ma tête. Et quand j'en parle à Philippe, il me dit « je ne veux plus entendre parler de ce type ». Et donc, petit à petit, j'arrête la relation et on coupe les ponts. Je ne veux plus en entendre parler. Personnellement, je suis déçue, choquée et honteuse. De porter ce nom. Il l'a sali. Il l'a sali. Et du coup, il a sali mon père. C'est ça qui me fait mal. Il est peut-être malheureux parce qu'on a coupé les ponts, mais moi aussi je le suis parce que je viens d'apprendre. Est-ce qu'il s'en occupe ? Ça ne le préoccupe pas, il continue sa vie et il vivra tranquille jusqu'à 90 ans. Et moi, avec cette histoire, il faut que je me batte tous les jours. À travers ses lectures, Mireille apprend que son oncle Georg était le médecin responsable du château de Hartheim. Ce centre d'extermination fut l'un des hauts lieux de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. On estime à près de 30 000 assassinats commis dans ce centre de mise à mort, dont plus de la moitié d'handicapés physiques et mentaux. Tal Brüttmann, vous êtes historien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'histoire de Mireille ce soir. Tal Brüttmann, que pouvez-vous nous dire du programme T4 ? C'était quoi exactement ce fameux programme dont l'oncle Georg a fait partie ? Alors, le programme T4 s'inscrit dans une histoire un peu plus longue, qui est celle de la politique eugéniste qui est mise en place en Allemagne à partir de 1933, qui n'est pas propre qu'à l'Allemagne. On retrouve ça dans une vingtaine de pays, y compris les États-Unis ou la Suède, des grands modèles démocratiques, qui vont mettre en place une politique de stérilisation de certaines parties de la population jugée comme étant dangereuse pour le reste de la société. Ça veut dire quoi, jugée dangereuse ? En Allemagne, cette politique-là, qui existe un peu partout dans le monde à cette même période, va se trouver intimement mêlée à la question raciale. Et très rapidement, les nazis vont décider de stériliser tous les Aryens, les soi-disant Aryens, qui sont supposés être génétiquement tarés, génétiquement dégénérés, et donc menacer la pureté de la race aryenne. Et ils vont mettre en place tout un discours de justification, notamment en mettant en place toute une propagande qui justifie cette politique de stérilisation par des questions économiques. Les gens purs doivent supporter le coût de ces dégénérés. Et donc ce programme de stérilisation qui va faire plusieurs centaines de milliers de victimes entre 1933 et 1939 va ensuite basculer à l'été 1939 en programme de mise à mort systématique de tout un ensemble de personnes, aussi bien des handicapés physiques que des gens atteints mentalement, des schizophrènes par exemple. Est-ce que l'on procédait de la même manière que dans tous les autres centres d'extermination, avec des chambres à gaz ? La T4 va servir d'instance de formation, même si elle n'est pas pensée comme telle, pour un ensemble de politiques qui vont être mises en œuvre après. La T4 sera suspendue à l'été 41 à la suite des protestations du clergé catholique allemand. Et ces hommes formés aux meurtres de masse, notamment dans 6 centres de mise à mort, dont Hartheim, où on gaz effectivement les gens, ce personnel-là va être réutilisé pour deux autres politiques. Une d'élimination des détenus des camps de concentration qui ne sont plus aptes au travail, qui sont trop fatigués, malades, et qui vont être éliminés. Qui sont des poids, en fait. Qui ne servent plus à rien. Oui. Et qui vont être éliminés, notamment encore à Hartheim. C'est pour ça qu'il y a deux vagues de politiques différentes à Hartheim. Et puis surtout, parce que là, le nombre de victimes est
infiniment plus élevé. Une grande partie du personnel formé à Arnhem ainsi que dans d'autres lieux va être utilisé pour la mise en œuvre de la solution finale, la mise à mort systématique des Juifs en Europe. L'ensemble de l'élimination de plus de 2 millions de Juifs dans le territoire polonais est réalisé par des individus qui viennent de Arnhem. Et l'oncle Georg, justement, fait partie de ce travail-là, de ce staff-là. Alors, exactement. Lui est médecin. On a un ensemble de personnel où se mélangent des médecins, des policiers, des membres de la SS qui vont œuvrer ensemble. Lui est responsable du gazage. Mais tous les hommes qui sont à Arnhem vont ensuite être utilisés du fait de l'expérience qu'ils ont accumulée. Lui va rester à Arnhem pendant que les autres vont être envoyés un peu partout au centre de l'Europe pour tuer des Juifs ou d'autres détenus des camps de concentration. Le 4 octobre 1997, Georg Reno s'éteint à l'âge de 90 ans. Quelques semaines plus tard, Mireille et Bernard prennent la route. Ils se rendent en Autriche, direction Mauthausen. Selon les informations recueillies par Mireille, c'est à proximité de ce camp de concentration que se trouverait le château d'Arnhem où aurait travaillé son oncle Georg. On est arrivé à Mauthausen, c'était dans les montagnes, dans les collines. Il faisait un temps magnifique, et c'était vraiment un voyage bucolique. Mais par contre, ce camp est immense. Pour ceux qui l'ont déjà visité, c'est un camp énorme. Et donc, on a passé notre journée, une journée entière dans ce camp à chercher des traces de l'oncle Georg. Donc, on a passé des heures à chercher là-dedans, dans ce, château, ce camp de concentration. Et sur le docteur Reno, je n'ai rien trouvé. Et en sortant, j'ai passé par la boutique où on peut se documenter, acheter des livres, etc. Je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Die Pyramiden von Arnhem »,« Les pyramides de Arnhem », écrit par un écrivain autrichien qui s'appelle Walter Kohl. À l'issue de cette difficile journée, Mireille est assaillie par un terrible doute. Et si elle s'était trompée? Et si l'oncle Georg, décrit dans ses lectures, n'était pas son oncle? Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, elle se plonge dans la lecture des pyramides de Arnhem. J'ai pris mon livre et je me suis installée dans la salle de bain. Il y avait une chaise, je me suis installée là. Et je commence à lire avec cette lumière blafarde qu'on a dans les salles de bain. Et d'abord, je découvre où est Arnhem, qui finalement n'est pas si loin de Mauthausen. Et c'est là que je découvre que finalement le docteur Reno était le médecin en second, que le docteur Reno visitait les institutions dans les alentours pour sélectionner les malades mentaux qui allaient être exécutés au château de Arnhem, que le docteur Reno à un moment donné ouvrait lui-même le robinet de gaz, que le docteur Reno regardait à travers la lucarne pour s'assurer du bon fonctionnement du gazage, que le docteur Reno, avant de les envoyer à la chambre à gaz, les examinait une dernière fois, vérifiait s'ils avaient des dents en or, et alors on les marquait d'une croix pour que les préposés à la morgue puissent extraire les dents quand ils sont morts. Quand les gens étaient conduits dans les chambres à gaz, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils pensaient qu'ils allaient prendre une douche, parce qu'il y avait des pommeaux de douche et des tuyaux au plafond. Ils pensaient aussi que c'était un endroit pour se désinfecter. J'ai lu des histoires de témoins qui avaient regardé ce qui se passait à l'intérieur des chambres à gaz par l'œilleton. Et une fois que les portes se fermaient, il semblerait que
Les gens à l'intérieur commençaient à réaliser ce qui leur arrivait. Il y avait alors des plaintes et des cris. D'après ce qu'on sait, avec les gaz qui étaient utilisés du type monoxyde de carbone, pour exterminer un homme, il fallait environ 5 à 10 minutes. Quand le travail était fait, et d'après le docteur, ça ne lui prenait pas beaucoup de temps, il aimait jouer de la flûte traversière. C'était un musicien semi-professionnel. Quelquefois, il y avait des visiteurs adhérents au programme T4 qui venaient de Berlin. Ils se retrouvaient tous autour d'un banquet, d'une grande table, et le point d'orgue de la journée, si l'on peut ainsi dire, était le concerto que donnait le docteur Reno pour ses visiteurs et pour ses chefs. Le lendemain matin, donc, moi je me réveille frais et dispo. Mireille l'est beaucoup moins puisqu'elle a passé sa nuit à lire, à pleurer. Elle était moralement très atteinte. Elle ne s'imaginait pas à quel point l'oncle Georg avait pu être responsable de tant de morts. Et donc j'ai trouvé ma femme le lendemain matin dans un état de délabrement moral important. Cette découverte me fait basculer dans l'horreur parce que, une fois de plus, je fais la relation entre le Reno de Hartheim et mon papa. Pauvre victime du nazisme, papa. Et lui, qui était une élite, qui faisait partie d'une élite, qui disposait de l'autorité, de la volonté de vie et de mort sur ses concitoyens. Ça, je ne le supporte pas. Dans ce moment-là, je ressens, j'en veux à l'oncle Georg, parce qu'il a été le docteur Reno. Je lui en veux et je lui en voudrai toujours. Je ne pourrai jamais pardonner. À l'époque, en 1997, il est impossible de visiter le château de Hartheim, car celui-ci a été transformé en logements sociaux. Mireille et Bernard rentrent donc à Strasbourg. Ils vont patienter 5 ans avant de revenir en Autriche. Avec Bernard, nous sommes allés à Hartheim, qui venait d'ouvrir, qui était transformé en mémorial, en musée. Nous sommes arrivés là-bas par un beau soleil, c'était au mois de juillet. Le ciel était bleu et comme le château venait d'être rénové, ça ressemblait plutôt à un château de contes de fées, un château d'opérette. Mais il y avait aussi un musée où on pouvait lire sur des panneaux, où on pouvait voir des photos de l'histoire de ce château. Et mon choc a été quand j'ai pénétré dans une de ces pièces, il y avait une grande photo avec le docteur Reno, jeune, et son histoire qui était inscrite à côté de la photo, et de voir l'oncle Georg en photo, son histoire et ce nom, que tout le monde pouvait voir et découvrir, c'était une révélation de plus de cette honte, parce que quand je suis devant ce portrait, je me dis... Est-ce que les gens qui sont derrière moi ou à côté de moi peuvent s'imaginer que moi aussi, je m'appelle Reno et que ce monsieur qu'ils sont en train de regarder là, c'est mon oncle Georg. C'était une visite horrible, c'était une visite... Vous découvrez des choses sur l'être humain, capable de tuer comme ça et de... Pour rien. Ça vous charge. «
Philippe Grimbert, vous êtes psychanalyste. Merci d'être avec nous ce soir. Mireille fait des recherches généalogiques pour se rapprocher de son père. Après la mort de son père, elle veut faire des recherches sur le nom de famille qui est important pour elle. Et elle ne se doutait absolument pas du secret qu'elle allait découvrir. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour vous, ça relève du hasard ? Non, ça ne relève pas du hasard. Mireille avait conscience que quelque chose d'inavouable se tapissait dans l'histoire et dans l'arbre généalogique de la famille, et que ce nom, justement, elle va être obligée de faire un gros travail sur elle-même pour assumer à nouveau ce nom. Elle va trouver une solution d'ailleurs très originale et formidable, hein, qui est celle d'écrire un livre. Je crois que c'est vraiment la solution qu'elle a trouvée, qui est une magnifique invention, nécessaire d'abord, nécessaire parce que la transmission est toujours nécessaire, mais nécessaire pour elle de façon la plus intime, parce qu'il faut vraiment qu'elle sorte de ce clivage, c'est-à-dire de ce mélange insupportable d'amour et de haine qu'elle a pu ressentir dans le même moment, au moment où elle aime encore cet oncle de toute son affection, que la vérité apparaît et que dans le même moment elle ressent de la haine. Et c'est ça dont je disais que c'était absolument psychiquement insupportable à vivre. Mais le livre est une magnifique solution. Comment un monstre qui a tué des milliers de gens peut-il être un homme aussi attachant, intelligent, cultivé, mélomane, comme on l'a entendu dans le film ? Hélas, les actes monstrueux ne sont pas commis par des monstres, mais par des hommes. Et cet oncle Georg est vraiment l'incarnation de cela. C'est un homme raffiné qui nous montre que quelque part, le monstrueux peut se tapir dans l'humain et l'humain dans le monstrueux. Et je crois que Mireille en fait l'expérience terrible, c'est-à-dire que cet homme, elle en a admiré l'élégance, la culture, même l'humanisme et l'affection, la chaleur. Et évidemment, elle va se heurter là à une vérité qui va la fracasser, j'allais dire, la cliver en tout cas, vraiment la diviser. On a l'impression que Mireille se sent coupable des atrocités qu'a commis l'oncle Georg. Elle rentre même dans une phase dépressive. Pourquoi, selon vous ? Dans la logique de l'inconscient, hélas, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans les histoires de secrets de famille. C'est-à-dire que les enfants souffrent des péchés des pères. C'est une formule un peu rapide. En tout cas, on hérite quelque part ou de la culpabilité ou des péchés de ceux qui nous ont précédés. Surtout quand ça n'est pas dit, et même, j'allais dire, essentiellement quand ça n'est pas dit. Et c'est quelque chose qu'on remarque dans la clinique, de la culpabilité, par exemple. Ces enfants qui se sentent en permanence coupables sans savoir pourquoi, et dont ils vont découvrir au hasard d'un secret qui leur sera révélé, que cette culpabilité, elle n'est pas la leur, elle est celle de leurs parents, et elle a pesé sur eux parce qu'elle n'a pas été dite. Ils en ont hérité, comme on hérite vraiment d'un bien de famille. Là, on hérite d'un mal de famille. Oui. Et d'une certaine façon, même si je ne peux pas expliquer pourquoi les choses se passent comme ça, c'est quand même cliniquement et statistiquement quelque chose qui se passe très souvent. Et ça ne m'étonne pas que pendant un moment, j'espère que le fait d'avoir écrit le livre, justement, permettra à Mireille de se défaire de cette culpabilité qui ne lui appartient pas, mais qui nous renvoie à quelque chose d'extraordinaire, encore une fois. C'est-à-dire que, encore une fois, et c'est l'horreur de l'histoire, ce sont les victimes qui se sentent coupables alors que les grands criminels ne connaissent pas la culpabilité. Je crois que ça peut nous permettre peut-être de rétablir un peu l'honneur de la culpabilité, qui est un beau sentiment humain quand il est modéré, quand il ne vous empêche pas de vivre. Parce que les grands tyrans, les grands criminels de l'histoire, la culpabilité ne connaissent pas. L'oncle Georg ne connaît pas la culpabilité et c'est Mireille qui l'endosse à sa place. L'enquête conduit Mireille au bout de l'horreur. Alors, comme pour s'absoudre de sa relation avec Georg, Mireille va mettre un point d'honneur à clamer la vérité, notamment auprès de sa famille. C'est là qu'elle a pris la décision quand même de d'écrire aussi tout ce qui lui arrivait. Et écrire, c'était pas tellement... d'une part, c'était pour se libérer, mais aussi de faire en sorte que ce terrible secret ne soit pas déformé. Et il y a un témoignage sur ce qui s'est passé vraiment. Et pour que plus tard aussi, notre fils ait une vérité qui s'approche le plus de la véritable vérité, que ce ne soit pas déformé. Et c'est comme ça qu'un jour, elle avait vu dans le journal un article sur un écrivain public qui s'appelle Muriel Kleinsolti, et elle s'est dit, tiens, je vais m'adresser à cette dame pour savoir comment je peux mettre un peu d'ordre dans tous mes documents.
C'est une femme qui était terriblement, j'allais dire en souffrance, et on le serait à moins, par ce qu'elle venait de vivre. Elle avait tout d'un coup réalisé qu'elle avait dormi dans le lit d'un assassin, d'un meurtrier, et donc elle est venue chez moi avec cette histoire à laquelle elle se confrontait, et je sentais sa douleur, je sentais sa souffrance, je sentais sa détresse. Je lui raconte mon histoire, je lui amène tout ce que j'avais écrit et elle me dit « oui, je vais vous aider à mettre un peu d'ordre dans votre récit ». Et à la fin de notre rencontre, elle me dit « il faut que je vous dise, je suis juive et mes grands-pères sont morts, tués dans les camps par les nazis, dont un à Mauthausen ». Et donc, quand je l'ai rencontrée dans mon bureau, j'ai été prise d'émotion, et elle aussi. Et notre rencontre a été faite, s'est construite sur cette émotion partagée. « Cher oncle Georg » est publié en novembre 2006. Au fil des pages, Mireille Orsinga-Reno y confie sa honte et le poids de sa culpabilité. Un livre en forme de thérapie, un moyen pour elle de mettre un point final à ses recherches et à son histoire. Elle n'est pas indemne après cette histoire. Elle a effectivement souffert. Moi, je sais qu'elle m'en parle encore assez régulièrement. Et elle a eu ce sentiment de culpabilité. Mais moi, je considère que non. L'oncle Georg, lui, il a fait un travail, je suis persuadé qu'il a fait un travail sur lui pour se décharger de toute responsabilité. Mireille, qui n'a aucune responsabilité, elle a eu beaucoup plus de mal à se débarrasser de cette affaire. Ce secret a détruit beaucoup d'illusions. J'ai peur que... de faire d'autres découvertes. D'ailleurs, j'ai cessé les recherches généalogiques. Ça m'est complètement égal d'où on vient. Je sais d'où je vais, mais je m'en fiche complètement d'où on vient. S'il y avait d'autres Reno, ça m'est égal. Je suis désabusée. Je me méfie maintenant des personnes que je rencontre et qui sont tout de suite sympathiques et joviales. Et oui, je vous accepte, d'accord, mais ne m'en demandez pas plus. J'ai du mal à créer des nouvelles relations durables. Ça reste éphémère. Chaque jour, Mireille souffre encore du terrible secret qu'elle a découvert. En révélant cette histoire, elle a aussi le sentiment d'avoir réhabilité le nom de son père. Elle est aujourd'hui fière d'avoir remporté une victoire contre le silence et l'oubli, au nom des victimes de la folie nazie.